Alors des fois, à travers une route perdue dans la montagne, dans la pampa, eh bien, on se retrouve à rencontrer des Crétois, super sympas. Et nous sommes, et on boit le café frais, et on est en train de prendre toutes les oranges. C'est extraordinaire, comme dirait un certain animateur de télé. Rendez-vous en terre inconnue. Eh bien, franchement, on est en rendez-vous en terre inconnue. C'est extraordinaire. C'est le film. Hein. Ah, tu filmes. Oui, là, je filme. Ah. Nous filmons. Oh, il est toujours dans l'arbre. Storios. Alors, on est, je vous le montre, on est vraiment dans la pampa. On devait aller à un endroit, mais on est allé, on s'est retrouvé devant une église et on n'a pas eu à aller plus loin. Et pour nous, c'était notre but de cette rencontre aujourd'hui. Et là, on a un oranger, mais alors l'oranger de maison de chez maison. Et ça, c'est formidable parce que là, c'est formidable. Franchement, c'est formidable. Bon, il est toujours dans l'arbre, Storios. Et franchement, sérieusement, si on n'est pas champion du monde cette année, hein, c'est le match France-Pérou tout à l'heure, hein, si on n'est pas champion du monde et qu'on n'a pas la deuxième étoile, je ne comprends plus. Il y a trop de coïncidences, trop de coïncidences. On se paume dans la pampa et c'est rendez-vous en terre inconnue.